dans l'espionnage, bataille qui n'a pas mené. SPNH était déjà sorti une note pour le remercier, pour féliciter quelques changements. Parce que nous-mêmes dans SPNH, nous avons dénoncé l'ancien commandement qui était là, qui était gagné dans la tête du commandant LB. Nous demandons pour révocation et nous demandons pour qu'il y ait un changement qui fait dans DDO, directeur départemental avec directeur central. Effectivement, ça fait. Nous connaissons qui problème IGPNH l'a déposé. Au point mort et nous avons un changement qui fait la donne. Si nous félicitons DGA pour quelques changements, mais il y a là qui pose un gros problème. C'est ça que fait le premier point, nous prenons le parti ça. SPNH, il y a un document, il y a un dossier normal qui concernait le commandant Pierre René François. Était responsable d'AP. Pendant le responsable d'AP, tout le monde nous connaît. Société a connaît. Journalistes nous connaît. Nous-mêmes policiers nous connaît. Il y a un pile de dérives qui fait dans la prison. Plusieurs prisons crasées. Un pile de corruption dans la prison. Un pile de prisonniers mourir parce que l'argent mangé ou bien les prisonniers mangé faire autre cochon. Un pile de prisonniers mourir. Parce que vous n'avez pas besoin de soins de santé. Dérive ça arrive dans les yeux de tout le monde, en bas des yeux de tout le monde, et nous tous payés pour casser. Non seulement matin, nous avons demandé l'inspection générale. Dossier, M. René François, Pierre René François, Lina, inspection générale. Nous jouons que un dossier, M. François, qui concerne la corruption, qui n'en baf l'entité en dedans de CPJ. Dossier, M. François, l'INA OPC, l'INA ministère de la Justice, je dis à nous ne comprenons pas pour qui ça. Un policier qui est dans poste, il y a pile de corruption faite. Il y a un pile de Zak qui arrivait sous lui. Un pile de policiers, plusieurs policiers, nous avons un dossier là, qui portent plainte contre qui a travaillé dans le DAP ensemble avec Pierre-René François, qui portent plainte pour lui. Et nous avons un là. Si nous prenons exemple, M. Ismaël Taïfer, qui est inspecteur divisionnaire, il était responsable cabaret, après ça, il est devenu responsable quoi de bouquet, ils ont pas de bouquet. Qui porte plainte dans toute instance dans le pays pour M. François, côté l'IREPO chez lui, avec un ensemble de documents de corruption, soit sous frère, soit sous l'argent qui était là pour gérer le prisonnier. Nous ne comprenons pas aujourd'hui pour qui ça, M. Rameau, s'il voulait bailler le résultat, s'il vient, il dit qu'il combattre l'insécurité, il ne peut pas jamais commencer avec. Ça, nous-mêmes dans l'SPNH, nous avons vertine dans la police. Là. Vertine dans la police, ils sont obligations. Corrompus, ils doivent sanctionner, la justice doit décider contre eux. Nous dénonçons nomination, promotion. DGA, by Pierre René François, ils sont dans DAP après toute dérive pour le livrer de directeur de CPJ. Une entité nous connaît qui est importante liée dans le pays. Nous avons notre dossier, nous continuons à enquêter sur lui. Qui c'est une nomination. Alors, c'est une sorte de promotion parce que nous voyons que M. Rémi Jean-Baptiste, lieutenant ressources humaines au niveau DAP, ensemble avec Pierre-René François, lui-même toujours une promotion sorti dans DAP, lui aller comme lui retourner comme ADP. Il y a un scandale qui était fait. Sous monsieur. Monsieur Rémi Jean-Baptiste est ADP déjà, qui est directeur personnel adjoint dans la police là. Il y a un scandale qui était fait côté, il a été reproché que il y a une quantité 4 qui était gagné, imprimé, 4 ça n'a pas de rapport avec policiers ni employés qui sont dans la police là. Zach ça a fait un pile bruit
monsieur a été quitté posté à un moment de la durée. Inspection générale, pour que j'en baille rapport sous dossier. Nous avons des informations que nous avons un juge d'instruction qui est sous dossier. Nous pouvons avoir une ordonnance. C'est ça que nous avons dit. Il y a une nomination comme ça. Avant, même, je suis retourné avec M. Rémi Jean-Baptiste, non poste comme ça, tu as des lumières qui fait. Nous, même dans ce PNH, nous, en tant que syndicat, c'est la loi qui va nous loi pour que chaque institution ait un syndicat, une ou bien plusieurs. Nous pas dans ces collègues avec rien qui fait des droits à la loi. Et ça fait nous-mêmes nous dit, ils sont capables toujours de nommer un policier ou bien un employé dans un poste dans la police. Mais il faut qu'il fait selon la loi. Et là, il y a un scandale qui fait, il faut gagner une décision qui prend pour faire lumière sur le dossier, pour dire qui ça, ça. Est-ce que ça a dit à la vérité là-dedans? Ou bien pour yon blanchir mon nom, pour yon dire que monsieur n'a pas gagné rien pour yon voir avec. Deux nominations, ça c'est parmi les nominations qui fait, qui posent gros problème et nous avons des réactions sociétaires. Nous avons dit monsieur Rameau, il y a un pile problème dans la police. Nous ne sommes pas capables de gagner plus. Il y a un choix aujourd'hui pour réussir avec les policiers honnêtes. Ou bien échouer avec les policiers corrompus. Je dis à nous, nos situations, côté nous, l'insécurité a continué à valider. Je dis à nous, nous avons une autorité qui est dans le CPT, hein, Conseil présidentiel transition. Nous avons une autorité qui est dans le CSPN, et surtout le Premier ministre qui éclaire en pile, priorité de la sécurité. Mais je vous dis à SPNH, pas ouais, rien qui fait. Parce que si priorité c'est sécurité, dans le budget rectificatif là, nous devons sécurité acter en premier. Nous devons avoir du matériel déjà pour la police là. Nous devons chaque policier qui a un matériel pour le travail. Nous devons cas policiers, ils ont même adressé. Parce que la majorité des policiers continuent à vivre une situation difficile. Comment? Priorité, le gouvernement, c'est la sécurité lorsque la police a vivre, continue à fonctionner dans cette situation. C'est ça fait nous-mêmes nous dire, rien pas clair sur ce point. Si vraiment la sécurité a ses priorités, la police a dû renforcer, la police a dû avoir des moyens pour continuer le travail, parce que ce n'est pas normal pour que la police ait une situation liée juste à ce. SPNH a fait un point sur force multinationale. Yo clairement depuis un peu l'année, presque deux ans, il y a une force qui a venu aider nous et de la police là. Je dis nous force là. Par contre si la presse ouais, mais nous même dans SPNH, policiers jusqu'à présent, il a cherché force là pour quoi. Je me demande est-ce que force là est sous la main ou bien c'est un avion lié, il peut pas arriver. SPNH a dit que si une force qui vient pour back up la police, nous devons être présents pour contrôler les frontières. Pas de munitions à armes illégales d'avant encore. SPNH a dit si une force qui vient pour appuyer PNH, nous devons prendre contrôle de la mer. Bandit avec tout le trafic qui a fait sous la mer, pas de continuer à faire encore. SPNH a dit, si vous force qui vient livrer pour te appuyer PNH là, pour le capable de permettre que nous venions de bon, puis fort, nous avons que l'espace aérien nous a contrôlé, et nous avons continué à utiliser l'espace aérien nous pour détruire la plantation nous. Et SPNH a donné sur ça, sur le problème qui posait dans l'espace aérien, nous avons un pile de plantation qui détruit, et c'est avec des drones que nous utilisons pour faire ça. C'est-à-dire espace aérien pas contrôlé, l'emmène nous pas contrôlé, jusqu'à présent frontière nous libre pour libérer. D'ailleurs, nous partons dans une zone qui allemand passe, nous connaissons qui est un groupe armé qui contrôle libre. Ça veut dire, force à parler nous. Comment imaginer une force qui vient? Nous voyons que force à la police, policiers nous sont plus forts, policiers nous sont plus bien équipés, policiers nous sont plus efficaces
que à quelques agents, ça y est, nous qui viennent, ils disent nous qui viennent renforcer PNH. Est-ce que PNH a dit communauté internationale, notamment pays, les États-Unis, PNH a dit gouvernement, CSPN, songez, nous sommes clairs déjà dans le syndicat. Si nous voulons les problèmes de sécurité à résoudre, c'est renforcer les forces de sécurité. Nous ne sommes pas capables de prendre la police là, plus fort, plus bon agent, nous sommes dans le bodyguard. Nous-mêmes, tout le monde qui est dans la presse, côté, nous prenons tous les jeunes garçons qui sont dans l'armée, nous sommes capables de renforcer la sécurité. Nous sommes dans le bodyguard. Il y a couru descendre tout dans toute la rue, il y a des ministres, des directeurs généraux. Qui c'est ces hommes haïti nous ça pour des nous ces militaires bien formés ça sont dans le quartier même j'ai une bonne police qui est spécialisée qui a servi nation qui va faire opération pour résoudre le problème de sécurité c'est dans votre cadre c'est pour y a pour nous descendre des ministres des directeurs généraux force là parce qu'il a yo dit nous qu'il a il va voter rien au contraire tout le monde croit sur deux policiers qui a évolué ensemble avec eux parce que policiers ont plein yo dit que car en pile fois, ces policiers sont obligés de faire en sorte pour que les deux sortent dans une série de situations. Jusqu'à présent, nous avons une force là, nous avons dit qu'il vient de nous parlons. Et ça fait nous-mêmes, nous avons demandé en urgence pour que la police la moyen, en brillant la meilleure balle moyen, pour être capable de prendre des mesures pour résoudre le problème de sécurité. SPNH, l'IA a exigé de. Conseil présidentiel là de CSPN, surtout de DG Rameau. Ils ont ensemble action concrète. Je dis à opération de fait, ils ont de fait pour déloger Ganyo et de prendre mesures pour que nous renforcer, pour nous prendre contrôle route, pour que nous capables de vivre, résoudre le problème d'insécurité. Nous tendons trois déclarations. Nous tendons trois paroles, trois promesses. Je dis à nous besoin de moyens, nous-mêmes policiers qui soutiennent chaque jour, qui nous besoin de moyens pour nous travailler. Par exemple, quand tu es dans la police là, qui t'a donné lui-même qui contrôle la rue, il est tout uni, qui c'est de CPR. Unité spécialisée, BI, il n'y a pas assez de moyens pour faire face à la situation qui est là. Si il y a moyen pour nous venir avec une force qui va régler rien, il y a moyen. Pour bailler la police à moyen avec un brio la meilleure pour nous permettre que nous sortions dans sa nouille là. SPNH a annoncé, n'a pas annoncé, autorité pays a, nous devons presser ensemble, mes isayo, parce que policiers honnêtes pas d'accord. Citoyens qui eux-mêmes victimes chaque jour, pas d'accord. Famille policiers qui mourent, pas d'accord. Ils continuent dans la situation. Pressé, doit gagner renforcement la police là pour nous capables de faire la sécurité. Pressé, faut gagner indemnisation, toute famille policiers qui mourent. La presse nous connaît, en pile nous connaît. Puis fort policiers qui mourent, Pititio abandonné, l'État abandonné Pititio. En pile de petits c'est depuis 3 ans SPNH a aidé aussi à l'école. Ils ont pris un décret en 2022 pour être capable de rouler SPNH rouler debout. Et heureusement nous-mêmes, nous pas jamais prendre rouler debout. Nous te dit c'est pas décret seulement, c'est pour prendre, faut agir. Ils ont pris un décret aussi à indemniser les policiers qui mourent à partir de 2022. Même les policiers qui mourent à partir de 2022, pas une indemnisation. Voir les policiers qui mourent avant. Petit policiers qui mourent, ils n'ont pas qu'à venir bandit demain, ils n'ont pas qu'à venir délinquant demain. Et ça fait nous-mêmes nous demander pour que pressé, pour que l'autorité pays, de Géramo CSPN, prenne mesure pour que les gens soient capables à l'école. SPNH, tu fais le devoir. Tu visites tout service en PNH, en DG, dans l'inspection générale. Deux personnes qui peuvent être dans la police, qui peuvent chita avec DG la police, là, avec l'inspecteur général là, qui nous peuvent réunir, mais nous nous rencontrer quand même. Eh bien, il faut que nous disions une situation plus alarmante que nous pensons. Employés, dis-nous,
il y a un pire problème. Est-ce que nous connaissons que les policiers qui gagnent, ils prennent 2-3 promotions, ils ont même battu à nos meilleurs. Service informatique dans la visite nous faisons, pas gagner matériel pour imprimer 4 pour les policiers. Pas même faire depuis presque 1 an et demi, ils ne vont pas avoir. Le service ça, il n'y a presque pas existé et ils disent que non seulement pas gagner matériel pour imprimer, mais ils vont arriver dans l'espace là, ils ne vont pas gagner aucun computer qui fonctionnel. Nous avons demandé de gérer nos PCPC, DP, directeur personnel là, pour que lui rétablisse le service là, pour que les policiers gagnent un badge. Manger quand même dans la police là, manger avec les maladies, ils ne parlent pas avec nous. Manger à bail là pas bon, nous avons demandé de le contre ça. Manger quand même dans la police, nous avons des problèmes de ils disent nous ça. Nous passons dans plusieurs autres services, par exemple service prêt. Côté son service qui existe de nous. Parce que c'est vrai responsable de l'employeur là, mais là nous regardons qui ça a fait, nous venons comprendre que pas gagner vraiment service qu'a à policier. Direction médicale n'a pas existé. Nous passons, nous voyons que pas gagner aucun rien qui a fait sur policier pour une balle, pas gagner personne monde. Causer assurance à la police n'a pas existé. C'est ça que fait nous-mêmes dans SPNH, nous prenons soin pour acheminer ensemble des dossiers. Par inspecteur général là, par direction personnelle là, et pour que nous baillons chaque entité ça y a le dossier pour que nous traiter, parce que ce n'est pas normal pour que la situation a continué à gérer là. Dossier, ça, nous avons retourné avec les sous-tables là, les publics, nous tendons.